Bana banzambi. Nasa ne dita la lebi agu dita tu nzambi. Bikala ne no bonsu bue no miyabe no di ni kalanga na. Zambi wa kutupaka vididi sanka po ate trukvetandi trukdialelu. Yama tu mo miyabe di ne nai. Angonde wa di kumi. Bato trukmu tendele moglu etu achilu. Tu di filai ni meo ye ti yonsu ku di mkalenge. Ni misu ka ye ti yonsu. Ni ngasu wan zambi na tulombole. Konsu kunu di nui galangana. Ni abi yonsu nui galangana matengwa malobonsu anai. Zambi di tulombole. Eyo banu banzambi anbumu na kwamba bwana ngase njitalali bya kujitatu nzambi bikale nenu bino kokeshe mya byonsu njinu ikalangana nyuma wa nzambi anulombole mukutendeleleko tuju popa mu nyuma jani ndi mwambi kapumbu wa mishonyi itu tubigile ne presbyterian ngutwaka jingu bokali tutendele makulu wetu wachulu mama nisha tulina wajano wa kwambe bwase tambu kuvuluka makubesha bakwa kadi chena mpanga mwaku manisha walwe bubu wa mlundo wanyi Mwambi wa Nzambi ku Etazini Leon Lusamba. Mwishi ya onini buloba. Mu jalmingu ja kushali. Kadi tutu mwishi mbianzi bia Nzambi. Imeni buwane. Nijiku jende ni mamu mbombo. Tutuba teka munu bia bia munda mwa bianzi bia nzambi kwa lwa. Chidi chikondi chikol. Njinjule chanzi chanyi bwana ya fowa anu samba mbulele. Kwa lwa bu sambi watu etu bantu kujwa chitu pachivi. Mujini ya Kristo. Amen. Bama na kwambe nanku. Netu tete kuimba msambu wa bantu bonso. Nsambu wa bantu bonsu wali wa chikondo chitu jitu fita chidichikole. Chidichikole msambu jibadini mikandi ya msambu yetu ya mchiluba. Mikandi ya msambu jilukama nechite ya msa NF. Ujua mbabu wane na kufatuka mubufika. Nana msambu ya bungi njingela bilondo shaliko yetu mbali wa. Malu akatu tuajila. Bantu baka tuatumbufika. Onsu kwa kajimalele nashu. Nko babalu ebu tuetu bakumwa na munya. Tutambu kuleje munya wetu. Kujiba kwa abu munya kwetu. Kwa sayi bamba wana. Kama na kamba kai kwa mbile vajiba shalu. Tuimbayi musambu yu ni disanka ujua mbabu wane. Na kufatuka mbufika.
Eyo togwimba musambu wetu wane nakupatuka mubufika Yesu ndo alukudi katataka nitulombe nzambi bwa nzambi unzuli micho yetu nyuma tulombole mukubala ne mukumvwa kwa didi ya nzambi. Tulombe. Tatu nzambi mkale mwe tutujikumpala kweba. Misamu ya abungi tulu alkudi. Kumpala kwa kwenzi bwalu, tukulu ambuwewe. Bwalu bwa. Uchi tufuchajibu jonso. Nyumu ya ujumutu tanyele. Utulombole. Nungujilo mbuje tukuji mbuase. Nyuma tulombole. Mkubala. Gujungulula na mkumvudi na bwaba bonso bajikule na bajipabwifi zambu yetu nyuma kangli michimi ya bwaji jifetu mwabundu wa michimi ya eji njilombu jetu kuji mtine ya kilisi mkremu yetu amen nungu bana ba zambi netu bale mukanda wa zambi mumukanda wa yone wa kumujilu shapti bidi mvese chitem ni mvese jikumi ni humu. Tujitubala mvese chitem tutupika tuiku mvese jikumi ni humu. Mukanda wa yone wa kumujilu mvese ibidi mvese shapti bidi mvese chitem. Badiba ambeno. Yeye ujuwamba ne ndi mumunya fachijie ne mwana abulukuna yeye uchiji mumiji mato ne katataka. Mumvesi jiku mnumba jwamana. Kadi muntu uji ne mwana abulukuna yeye uchiji mumiji ma. Ujue nda mumijima kena mumanye kujie uya bwalu bwa mijima ya kafufumesha mesu anji. Kaji muntu ujuwamba, kaji muntu ujine mwana abulukuna yeye uchiji mumijima, ujue nda mumijima kena mumanye kujie uya bwalu bwa mijima ya kafufumesha mesu anji. Edi ndidi ya Kristo. On va essayer un peu de lire encore dans en français dans 1 Jean chapitre 2 verset 9 Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est ou qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Verset 11. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. C'est la parole. Seigneur. Bana banzambi to kumva didia nzambi mukudibala nungune to kumva musambu mwemba kudibana beto ba mukilisto kwetu kwaka muchisumbu cha tatu kasende nilikamu Musambu tukaji bumbu mvuka dianu buwane, tutuamba buwalu buwa, bene lukuna, nungu tuteleja hii, musambu ukabidi.
melukuna Nubalombela kabiji nzambi Bandi mwantu bajibano genesha Bunu inako kubalombela nzambi Bwalo wa nzambi musongwe liwe Bana ba nzambi tokumvu musambu ujwamba bwane swai badinene lukuna no balombele nzambi bwalbwa timamenye bwane munshi mwajulni diba tudibanyu muluki bwe na bene lukuna misamu yabo lelu nakusuka kulefa bwalbwa lukuna bwalbwa tuditumone bimpo kwetu ku Kongo Malo aja pitumatu kwa aja mwene kabwane. Na nisha mumputu mtu jituika lani bantu bajibenza chijiji. Katu ya ntumu wana luku na buluwa nanku nashu. Luku na lumwene kwa lwika lalubi.
rugirufuma kugira inyuma mubi ani satana bisami kwa bunashi mutitwe tubambi nanga malo kumwenega ajipanshi mwenega nubwane nyuma wanzambi kenu wikalana kutujinashi mbwalubwa kwenu mkuki na muntu hadimika luwenzi malu mimpe kuyumanyi malu mimpe hadimuntu wa wenzi nashi na umuki na nuku mbwalubwa mbwal kampand mku toko ambene tu lejano pa mbwalubu jibutani mbwalubwalu kuna Mes chers frères, aujourd'hui, nous avons décidé de faire notre exhortation sur la haine. Que dit la Bible de la haine? C'est parce que nous avons constaté que au pays qui est notre pays, notre patrie, le Congo, nous constatons qu'il y a beaucoup de la haine, surtout ce dernier temps, sur ce qui concerne la désignation du président de la CENI. Nous constatons même le prélat qui utilisent un langage un peu déplacé. Ils oublient qu'ils sont des pasteurs qui doivent prendre des mesures nécessaires avant de faire sortir n'importe quelle parole ou un mot devant la masse. Et yo, tu dis toi, mbe bwane, djidi anzambi, djidi tu dis allélu. Dijipa bwalu bwa lukuna. Kukina. Lukuna nchintu chiji chinyanga muntu munda. Nechilela bubi. Mumu chima wa muntu. Chilela muchawu juhutu tubigila mertime. Bijibi nyanga moyu wa muntu ne nyuma wende mene faji muntu mwikala ne lukuna. Lukinu munda mwa muchima wandi. Lukinu lwa bantu bakwa bulu lwa lwa nubwalu bwa. Kabena baso bantu bakwa bo. Bwa bajibi kalanga na bantu bachitu fokampanda. Any bwalkan panda bwalkan sangu juwenze yeye malu mutamba mem. Muka une lukinu bitwa dijamunda mwa muchima wa muntu. Bia uturukwambe ne muka u anyi lukuna ni lukinu chiji mulungu mune ne utu jitubikila mufalansa ne poazo. Bwalfa jilukuna munda mwa muntu lujilu lele bubi. Bubi bulele lufu. Lufu luikala lulele bubi munkachi mwabantu banzambi. Lukinu. Lukuna. Fajimunda mwajitunga bantu bikala ni lukuna ni lukinu. Misangu ya bunyi kujilu tatu mwajitunga ajikutungu nuka. Bwalu bwabubi. Bujumunda mwa michima ya. Ndi ngambulu leji yeji mwa gulu wabena falansa bajibambane. La haine est un poison qui nous détruit. De l'intérieur produit une amertume qui consomme notre cœur et notre esprit. C'est pourquoi les Écritures nous disent ceci. La haine est un péché.
La haine est un péché. La haine est un poison qui nous détruit de l'intérieur et produit une amertume qui consomme notre cœur et notre esprit. C'est pourquoi les Écritures nous disent la haine. C'est un poison. Lukinu lukuna muchaudi biji bintu bituji tubikila bwane kulunga kulunga chitu tubikila ne poison bikwata muntu munda mu muchimo wangi nashibikala muntu wenza malumimpe fakaji lukinu ne muchaudi munda mu muchimo webe kwenu makuita buje kabidine muntu uju wenza bwalo bwimpe na Bwalu bwabu bibuji bomana kukwata muchima webe. D'un point de vue biblique, la haine a des aspects positifs et négatifs. Il est acceptable d'haïr ce que Dieu haït aussi. C'est même le signe d'une bonne relation avec lui. Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en aurore. Psaume nous dit cela. Quand nous haïssons ce que Dieu haït, ça c'est une haine positive ou positif. Plus nous nous approchons de lui et sommes en communion avec lui, plus nous prenons conscience du péché, en nous et au dehors, nous sommes-nous pas attristés et en colère en voyant l'hypocrisie spirituelle? Je vais répéter cette phrase. Plus nous nous approchons de lui et sommes en communion avec lui, plus nous prenons conscience du péché, en nous et en dehors, ne sommes-nous pas attristés et en colère en voyant l'hypocrisie spirituelle. Bana banzambi, faut que tu aies banzambi. Lukuna ani lukinu lujine matengwa bidi ani bitu bibidi. Lukuna luimpe ne lukuna lubi. Lukuna luimpe mpatu jituki na malwa jinzambi mwika la uvidia. Kadi lukuna lubi mpatu jituki na mwane nuujika ine bwalu wenza malu mimpe. Alulukinu lujilufuma kujinyuma mubi. Munyanyi wa bantu, munyanyi wa jitunga. Ne, nous ne sommes pas attristés en colère en voyant l'hypocrisie spirituelle. Quand on est tout le monde, on est en train de se faire un peu de temps, on est en train de se faire un peu de temps. Ben, Christ, on est Baluatemi zabibu mungi mui iluatemu. Kadi uba tangile pampa la pabufika la lukuna ni lukinu. Kadi tukwata mkanda wanzambi tuisha bantu. Lukinu ne lukuna. Mkanda wanzambi juu ambe nangu. L'hypocrisie spirituelle. Bantu badienza ne lubombu bu bantu badibita bujanzambi. Kadi munda munda mwabu bika la bena lukuna. Tulitu mwana mene na ashimalu ajimafite kwetu kukongo matukwa. Anya ajafita matukwa mushindu ujilukuna lufuma munkachi muatone bambi banzambi. Ndimu wakwamba nunguchi imina mata ngamani. Baki inatoni mkalenga wadi tungatone fabualu bujikabu ibu mweneka. Anu bualu kinulujimunda mwamichi mayabu bubi. Kali Yesu Kristo juwa ambani muntu uju kina mwana abuka kuibualu. Amanyi ye inafite kuchilumbu luji. Mugandu wanzambu juwa ambu mumata yu itanu vese magumiabi jini ibichi. La haine négative est dirigée contre les autres.
Le Seigneur l'a mentionné dans le sermon sur la montagne. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Matthieu 5, 22. Le Seigneur nous appelle à nous réconcilier avec notre frère avant d'aller à la maison du Seigneur et à le faire rapidement que possible. La haine négative est dirigée contre les autres. La haine positive, c'est haïr le mal. Mais la haine, quand vous dirigez vers votre frère, c'est une haine ou la haine négative. Tout bon, mène ton bambi banzam, indingambulu le ton chidimwamba. Même le prélat, soi-disant prélat catholique, soi-disant prélat même des SZ, on dit la haine négative est dirigée contre les autres. Le Seigneur l'a mentionné dans le sermon sur la montagne. Tout homme qui se met en colère contre son frère inutilement mérite de passer en jugement. Mais nous voyons les gens qui se mettent en colère contre le président de la République, tu sais qu'il dit, pour rien. Un homme innocent, vous allez passer au jugement. Que cela soit écrit dans nos stèles. L'un ou l'autre jour, vous passerez au jugement. Pas même ce jugement de ce monde, mais le Seigneur vous jugera un autre jour. La haine négative, boubi luki nulubi, l'ouawe ou ki na moane nukaine boalu. Mugalenga yesu kilisu wakubu ambatone mumatayo. Udua ambila bantune, muntu duki na muku wabuka kuibualu kajime mendi inu ambila nunku. Wambane, muntu yonsu ujulukuna ne moanabu. Yeye bidibi kengele bwana apita kuchulumbu luji. Mugalenga yesu kilisu jutu bigila mbu atuwe tutu longo lole tulenga shangane. Nebana betu. Kumpala kwa kuina ashumu zubu wa zambi. Kumpala kwa kuina ashumu wa kutendelelu. Kadini wikala ni mwane nulukuna. We ujambani nji prela. Prela nguwame ni muntu mubiki jibwe kujinzambi. Lukuna ni mwane nuhuya ya kuimana buwa kulomba nzambi ni kuhisha bakuwaba. Yefa wajumu kutangile wambane. We ujumu ina lubombu. Vunete ken hypocrite. Paske vous mettez en colère contre ton frère qui n'a rien fait du mal. Un jour le Seigneur vous jugera. Là, nous devons le dire clairement parce que c'est comme ça qu'il faut mettre les choses à sa place. Et le Seigneur dit ceci. Le Seigneur nous appelle à nous réconcilier avec notre frère avant d'aller à la maison du Seigneur. Le meurtre est clairement condamnable, mais la haine est un péché du cœur. Muntu baju ushiba mkwaba, bajanu mwakumu fisha. Kaji lukinu mbubi mpekatu wa mumuchima. Kumesu kwa nzambi. Le meurtre est clairement condamné, mais la haine est un péché du cœur aux yeux de Dieu. Toute pensée ou attitude haineuse est comparable à un maître. Muntu yonsu, mushindu yonsu wakwele meji akukina bakwabo, tuja mtu ambe ne muntu uju ushipa muntu. Kwetu balu kwa ambe ne kushipa kwa muntu kakwe namu, kwa ngatakele kumututu. Kajifaja anumu kina kakuibualu,
wakumana kushipa muntu. Mukando wa nzambi juwamu. Ndo alani meya abu wakufulisha bana betu netangilai. Tujituwa mbano malu wa mujulu mutu dikatu ibanji kuya. Yesu kilisu juwa mila bantu ne. Malu wa mujulu munu jikano ibanji kuya kano ibanji kukumbaji. Kajapa bulobo kano ibakumbaji. Nuke bano malu wa mujulu. Nuke bano mnyuma waku jitatu. Amememe waku fuma mujulu mujumu manya malu wao. Badiba amenanga mkwenu bumuji mjiswe. Nanga nzambi ni mwewe bewonso. Biwi ikala kwenye mwanji kunanga mkwenu. Jile wa mjulu kena kuji mwanetu. Le Seigneur nous dit encore ceci. Le pire est un homme qui se dit chrétien. Mais est l'ennemi de son frère. Bwalu bune ne simbo kumwa na muntu juja ambene njimwe na nkilisto. Kadimu kina mwana abu. Bumu tujitumwa na bambi banzambi nimba katolike. Nimba kwa abu bajibaji ambene tulibene esezede. Esezede au cheno mumanya mbwane. Lese ki se diz nous sommes de l'esezede. Esezede c'est l'association de toutes les denominations protestantes. Au nom d'une seule personne, on veut mettre toutes les dénominations en faute. Le pire, un homme qui se dit chrétien, mais est l'ennemi de son frère. Les Écritures les qualifient de menteurs. 1 Jean chapitre 4 verset 20. Il peut tromper les hommes mais pas Dieu. Combien de croyants passent des années à faire semblant que tout va bien et portent un masque jusqu'à ce qu'on découvre un jour qu'ils ont dans leur cœur de la haine contre leurs frères. Tribamanye misangu ya bungi ninu mwana shobena kilisto bakwabo. Baji bajenze bubena kilisto balelela. Kadi munda mwamichima yabu bikala ni lukuna. Lukuna munda mwamichima yabu babana babo. Kadi bamanye ni mula uju kujibu. Nga kwamba bimpa mumwagulu amfalansa ne. Que cela soit écrit dans nos stèles. Pour ce qui a eu le président de la République pour rien. Pour tous les bienfaits, mais sans reconnaître, surtout je m'adresse au prélat. Que cela soit écrit, vous payerez pas même ici sur terre, mais devant l'Éternel, un jour vous passerez au jugement. Parce que vous complotez contre un homme qui a été choisi par le Seigneur. Que cela soit écrit, et celui qui est d'accord avec moi dit Amen. Si vous voulez savoir qui parle, je suis Charles. Je suis membre du clergé presbytérien du Congo. Présentement, je suis au Canada. Ça me fait mal quand je regarde tout ce qui se passe chez nous au Congo. Je ne sais pas pourquoi vous, le prélat, pourquoi vous vous emportez contre le président de la République qui n'a rien fait. La haine est un poison qui nous détruit de l'intérieur et produit une amertume qui consomme notre cœur et notre esprit. C'est pourquoi les Écritures nous mettent en garde contre tout racisme ou race d'amertume. Hébreux 12, 15. La haine ruine aussi le témoignage personnel d'un chrétien en entravant sa communion avec le Seigneur et avec d'autres croyants. Alors, assimons-nous de faire ce qu'il nous demande et de rendre des comptes aux autres pour toutes choses. Si petit soit-elle, alors le Seigneur sera fidèle pour nous pardonner, ainsi qu'il l'a promis. 1 Jean 1, verset 9. Et chapitre 2 aussi, verset 1. La haine est un poison qui nous détruit de l'intérieur.
La en bubi bujibu tu shifa munka chumwetu na shumunda mwajitu nga. Bwalufa jibubi bujunda junda. Bubi bujibu fofumeshe meswetu. La en aveugle même l'intelligence de ceux qui se disent ils sont sages. La haine est un poison qui nous détruit de l'intérieur et produit une amertume qui consomme notre cœur et notre esprit. Pourquoi ce message aujourd'hui? Boati ni dit du loal kutuji. Bana banzami na kusunli dit parce que boalo bana kumana bubi. Bujubu junda junda munka chimwa bana betu mukongo. No bantu ba lolo bokule ndwishi bokwabo. Bokwabo ba jibamba ne ba jibambi banzambi. Ne mbambi ba chusu muchitu bigele cha SZ basangisha bantu bonso ne bene mishoni. Na babu tutu bigele ne bene katolik. No ngunjim bigele bana betu bene katolik ne ba be bonso. Mais ce n'est pas du matin, il faut nous dire que nous avons coulé, c'est-à-dire qu'il ne dit rien comme ça. Et vous faites la guerre contre un innocent. Mon tour dit qu'il ne boit. Au long de mal, le bilan de chez les Mikenji a dit tout, qu'a dit nous mouluis. Il n'y a pas encore ce long bouchon. Nous avons coulé le long, coulé le long, boit quoi, un peu boit. Bwale michi ma iji nye ngale la mundu. Jiji lolo kutuji. Mbwa kwa mbile ban bam mwene Kongo bena Kristo bons. Kanu lonji menja bantu babi. Bena lukuna. Bakumana kumina bintu bibi munda mwa michi ma yabu. Bwale bwa pasu kukutisha mafuabu. Baka tukwa atakubufika. Ni mukanda wa Zambia u mushindo wa kujungulula baka tujungulule na mu mushindo ya bonu tonele lutu chizi tuba mona mushindo jibu benz kadi yopweka na mulumbuluji wetu tudamba kulombele mwambi wetu anyi ukelengwa jito wa Zambia kwandi jito nja kongwa kujifile munda mwa byanzi byanza Zambi kala mulumbuluji wetu. Zambi kala mulwangiji wetu. Tone kujitu kujaji. Mujini ya Kristo mkalengu wetu. Amen. Tulombeza. Tuasiki jile tatu. Tula alkuji walubwa michi mijini. Ngalala. Nsami kuwabu na shumuku ishi kwetu. Tumane buwana michi mijini shikila. Buwa kumwana malu ajafitu kwetu. Nibaku wabajibajama nitujibambi. Kaji. Bikala baki na bakwabo kakuyibalo wewe kala mulombulo juwetu na masombo juwetu tudute gamina mane bichisake di munda ma chance che balbo wo kumsumula bubi kala bajiba mulisho balba ye ujwenz mal mimpe kadi wewe wenzambi meso ikala matale kudiye balo kwa mtu tutambu kubalombe tujibu ba prophet bumwa kwa mtu okutupa meno ons tu mente kama ndo machansia ita bujilo mbujetu tu lomba kapi jibu abu bonso baji monzu bi abi nyongo pelu abu bonso bakufisha bu monzu bu matatu leon lusamba mamumbombo musha tutupa teka mundo machansia mba we usamba michume yabu walu ba usambi kwa bujibu lelele buwetu bujibu achitu pichifi ita bujia jibu ena shijetu katataka kujie ujuma ni mwakunu lama wana nikanu lenduki. Ni ujuma wakunu tekumpala kwa butu mbi wandindi sanga jine nikanu ichile. Kujie Nzambi umuefele mkalengu wetu, msumiju wetu. Bwa Yesu Kristo mkalengu wetu kuikala butu mbi na buneme, na buko keshi, na bukole. Kumpala kwa bikondo bionsu, ni katataka ni chendelele. Amen. Yafo anulame, anusamba. Yefo anulame anusamba.